Yo, ça là, c'est Marseille. C'est juste ça, c'est l'intro, c'était pour que vous le sachiez. Sinon, pourquoi le menteur vous parle? Bah parce que tout simplement, c'est la suite du test complet des meilleurs dinosaures de Pass of Titan. Alors là, ça va surtout être du gros GG, du beau jeu, notamment avec un dinosaure que j'affectionne tout particulièrement. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc régalez-vous avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas comme d'habitude. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tests comme ça, où je teste plusieurs dinos dans une seule vidéo, avec les compétences, les points forts, les points faibles. Dites-moi ce que vous voulez comme dino, et si vous voulez que je continue. Voilà, c'est tout, régalez-vous. Tchuss. Alors maintenant, voilà, on passe à lui, là. Ce petit bâtard. Alors lui, il est vraiment sympa, parce qu'il met du saignement. Il a aussi énormément de stam, et il court plutôt vite. Donc, il est assez sympa à jouer. Par contre, celui-là, je l'ai pas trop testé. Regardez lui, là. Pof. Pof. Voilà, est-ce que je peux battre un succo? Je sais pas, hein. What, il a l'air ingérable. What? Il est moins solide que le... Il est moins solide que la Alberta Ceratops. Ah non, hein. On n'est pas fou, hein. Faut que je guérisse mes saignements. Vite. 1, 2... Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh la ruette dans la tête. Ça c'était pas vrai, ça. Ouais, je l'ai mis tellement mal. Oh le succo. Ouais, le succo, t'es dans la merde. What? Eh, mais dans la sauce, là. Ouais, j'ai un pote qui est venu m'aider. Yo, frérot. Merci, bien à toi. Bon, celui-là, je l'aime un peu moins, quand même, que l'Alberta. Parce qu'il est quand même moins tanky. Les dinosaures pas trop tanky, je suis pas fan dans le jeu. Parce que, vu qu'il y a énormément de problèmes de collision, énormément de problèmes de rollback, de TP dans les combats. Enfin, en gros, vu que les combats sont totalement bordéliques. Et quand t'as un dinosaure qui est pas très solide, ben, à cause... d'un lag, enfin à cause d'une erreur de collision du jeu, bah tu peux mourir, hein, simplement. C'est ça que je préfère les trucs vraiment solides, quand même dans le jeu, qui peuvent être assez dynamiques à jouer. Yo, je traverse, c'est moi, j'arrive sur zone, les gros. Je vais tous vous fumer la gueule. Bah lui là-bas, là, il est en PLS, il est pour moi. Tu as vu que j'étais là pour toi, hein. Tu l'as vu, hein. Le giga, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire, giga, je t'ai dit. Ouais, ouais, viens m'aider le trike. What, le giga, il attaque le trike, ça c'est une honte. Attaquer quelqu'un qui est au sol. Au grand jamais je ferais ça. Et toi, tu crois que je t'ai pas vu arriver? Ouais, tu m'as fait trop mal. Aïe, yo mon pote, c'est toi qui est venu m'aider tout à l'heure. Regarde, je suis en PLS. Il a plus de stam le con. Moi j'ai pu en avoir beaucoup aussi, hein. What? Bâtard. Bon voilà, Sirako, il est sympa à jouer, il est vraiment fun et dynamique, vraiment pas assez solide à mon goût. Allosaur, rien de dingue, je le teste pas, ça sert à rien. Maitria, Concavenator, pareil, pas assez solide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Succo, pareil, nul. Lambeo, j'aime pas, il y a rien de particulier. Utahraptor, pareil, pas assez solide. Lui, il est vraiment incroyable, il est hyper fort. Après, il faut vraiment savoir le gérer. Il a pas beaucoup de stam, mais on peut vraiment faire des trucs de ouf avec le Megalania. J'ai réussi à 1v1 des Spinos. J'ai réussi à faire des moves de malade, à tuer des Sarcosuchus hyper facilement parce qu'il est très maniable. Alors, j'en avais fait un rapide. Putain, je l'ai fait en défense, parce que c'est quand même un peu mieux. La défense. Vous allez voir, je vais pouvoir tanker un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. À moi. À moi, le Spino. Le truc là. Non, le succo. Ah ouais, j'avais déjà battu des succos. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il a une rota incroyable. What? Oh, vous avez vu, j'ai pas trop pris, hein. Voilà le giga là, t'es mort. J'ai pas trop pris de dégâts, hein. Bon, allez, vous voyez ce qu'on peut faire. On peut contourner, regardez comme il est mal déjà. Et en fait, lui, s'il veut me tuer, il faudrait qu'il se mette accroupi pour me frapper. Bon, après, s'il met un coup de patte, il va me démolir, hein, je vous le dis. Il abandonne. T'abandonnes, frérot? Tu as vu que je suis trop fort? Nulos. Bon, allez, il a abandonné, il a give up. Il a give up la fight, incroyable. Yo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Eh, toi, tu es un bâtard. Comment ça, tu me viens dessus comme ça, là? Je suis visible. Je suis invisible. Je suis un tronc. Pareil, j'avais déjà tué des allosaures et tout. Après, bon, là, je suis quand même un peu midlife.
Oh, j'ai déjà fait mal, hein. Lui, il a l'air de savoir un peu plus jouer, il joue avec la rota et tout. Ok, faut que je m'éloigne un peu, là, parce que j'ai vraiment plus de vie. Oh, le bâtard. Mais c'est quoi ce petit saut qu'il me fait, là? Ouais, ouais, casse-toi. Paf, esquive à gauche. On backstab. Vous avez vu comme je le mets mal, là, quand même, hein. J'étais pas full life, hein. J'étais pas full live, je l'aurais tué, mais hyper facilement, je vous le dis. Voilà, c'est vrai que le mégalagnia, je l'avais beaucoup insulté au début quand il est sorti, je crois. J'avais dit que c'était vraiment de la merde, ce dinosaure. Et en fin de compte, il a l'un des gameplays les plus sympas à jouer. Alors, il est très sympa en vitesse max, vitesse plus, parce qu'il est très rapide, on peut faire des demi-tours hyper vite et tout. Mais là, en défense plus, il est quand même plus jouable, parce que bah, il est quand même plus résistant, tout simplement. Vous avez vu comme j'ai tanké. J'aurais pas tanké deux coups de l'allosaure avec un mégalagnia où on met plus de vitesse que de défense. Yo, frérot. Alors pour reprendre sa stab, c'est très rapide, on a juste à se coucher une seconde, on se relève, on reprend la stab. Là le giga, yo frérot, viens on fait un groupe et on bute le giga. Yeah Bobby Stera, yo frérot viens on va se faire le giga. Il y a carrément le choix, oh il y a l'allosaure, Vendetta, ah non c'est pas l'allosaure, c'est le Zung Cheng Chung, Zung Cheng Tyrannus. Yo les gros, je peux te croquer? Pas le con, et ouais, mais par contre, je jouais à deux en vrai. En vrai, vous m'avez souvent dit, ouais, c'est bien de les jouer à deux et tout, mais à deux en fait, les gens c'était fou furieux. Genre, ils vont te taper, ils en ont rien à foutre. Et dès que tu te sens pas bien, frérot, tu pars et je prends le relais, ok. What? Et lui, du coup, le sujet. Allez, ils font n'importe quoi là, ils jouent à deux. Pff, n'importe quoi, mais n'importe. Mais il se passe quoi là? Ouais, c'est vraiment le problème du jeu. Vraiment, le problème du jeu qu'il a, c'est ça. Alors le giga il va plus avoir de stam, hein. Lui par contre il va rendre fou. Lui il va rendre dingue, hein. Il faut plus, il fait tout nuit. Flashbang please. Oh tu cries, frérot on voit plus rien. On voit plus rien, flashbang. Yes. J'allais le demander, quoi? Pourquoi il refait jour, nuit? Qu'est-ce qui se passe? Là franchement c'est un beau combat, c'est dommage qu'on y voit que dalle. Oup là, oup là, oup là. Là, esquive comme ça. Qu'il n'y ait personne qui s'en mêle s'il vous plaît. Mon pote est mort? Non mon pote est pas mort, ça va. Yo le giga. Ouais il se mordent entre eux, fais gaffe, faut pas qu'on se morde. Hein. Tous les deux, faut vraiment pas qu'on se morde. Je régène ma stam un peu là. Trop stam. Le mec il fait le taf. Bon, en vrai, c'est vrai qu'à deux là, c'est quand même un peu plus simple. En vrai, tu te fais fracasser par des mégalagnas. Je te jure, t'es au bout de ta vie. Je te jure, t'es vraiment au bout de ta vie. Mais non, le Carnot, casse-toi. Il est mort, mon pote. Non, le jeu part pas en couille, s'il te plaît. Voilà, c'est bien là. Non, parce que je me retrouve devant lui. Vas-y, mordez-vous entre vous, c'est bien. Allez, toi t'es au bout là. Crève! Voilà, toi t'es mort. Et il reste lui. Ok. Yes. On est super concentré. Voilà, je dois avoir la bouche qui bouge dans tous les sens. J'ai bientôt plus de stam, c'est dangereux. La jolie, hein. Quand j'ai plus de stam, après c'est la crise. Hein. Bon, lui il a plus de stam non plus, tu vas me dire. Incantation vaudou. Voilà, Mégalagnia, un lézard incroyablement puissant ce machin. Il faut le gérer. Alors là, c'est vrai qu'à deux c'était plus sympa parce que le mec savait jouer. Bobby Star, GG à toi, si tu te vois dans cette vidéo, magnifique ton combat. Et sacrifié pour que je puisse avoir de la gloire dans cette vidéo, c'est très bien. On va essayer d'aller voir là-haut lui là, si je peux l'emmerder. Là. Est-ce que je peux monter? Yes. C'est un allosaure ça. Hein. Il m'a vu ou pas? À l'attaque! Ah c'est celui de tout à l'heure! Ok.
J'ai un autre Megalania qui arrive, l'Allosaur il va tomber dans l'eau. Tu tombes dans l'eau, t'es foutu mon frère. Allez, bonne chance. Bonne chance avec les crocodiles. Yo frère, crois pas que tu vas t'en sortir. Bobbister, c'est toi? Yo Bobbister. Ah non, pas du tout. Désolé pour Bobbister, je t'ai confondu. Tu n'as pas fait quelque chose d'assez exceptionnel, tu es mort. Bobbister, il est passé où notre pote Allosaur là? Il est là. What? Je prends un coup de... dedans. Voilà, il y a besoin de personne moi, j'ai besoin de personne, donc juste me schroom. J'ai tryhard comme dégénéré à ce jeu, et je suis trop fier de ce que j'arrive à faire. Ouais, on peut s'envoyer des fleurs de temps en temps, merci bien. Hein. Dernière chose à tester, qui est pour moi le meilleur des dinosaures de Path of Titan. Le Kales. Mais c'est pas un dinosaure. Le Sarcosuchus est devenu ma bestiole préférée. Mais en fait, ils ont rajouté des attaques. Alors, je sais pas depuis quand ils l'ont fait. Hein. Ça fait un petit moment. J'ai un Sarcosuchus, évidemment, défense plus. Et vraiment, full accès sur le combat aquatique. Et non pas le combat terrestre. Combat terrestre, en gros, il y a une attaque qui... où tu peux mordre plusieurs fois. Et combat aquatique, j'ai celle qui charge comme ça. Voilà. Celle-là, elle charge. D'ailleurs, on va aller l'utiliser direct. Mais non, mais je viens de t'aider, le Triceratops! Lui là! Ce con! Voilà, il est mort, il est mort, il est mort! Lâchez-moi! Il me casse dans l'eau! Très peu stam, par contre. Très très peu stam, voilà. Donc ça, c'est l'attaque chargée. Et après, il y a cette attaque là. Donc la deuxième. Celle-là, en fait, elle met beaucoup de bleed. Et il est vraiment fait pour les combats aquatiques. On peut tout tuer avec un Spino, un Deinocherus, un autre Sarcosuchus, évidemment. Il est extrêmement fort. Il me veut quoi, lui? Et toi, frérot? Ok, tu as bien fait de te poser, sinon j'allais te découper en deux. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il me fait, ce con, là? Non, mais il est pas... Ah, ça, c'est vraiment... Vraiment la pire espèce quoi. Pire espèce de gars quoi. Bon bah vous allez voir un combat aquatique du coup. Mais t'es vraiment un enfoiré toi, c'est grave. Hein. Ah tu sais que tu fais pas le poids frérot. Tu sais que tu fais pas le poids. Apparemment moi je suis bon dans l'eau. Hein. Pas sur moi, l'orange qui a commencé. Et regardez cette attaque accélérateur. Paf. Paf. Bon, évidemment toujours le petit bug hein. Tu fais plaisir. Il est où? Ah mais tu t'en vas? Mais non mais viens. Reviens ici. Reviens ici. Ah mais c'était pas lui. C'est pas du tout lui en fait. Allez dégage. Voilà toi. Toi tu bouges. Même si c'était pas toi. Non il y en a un autre qui va m'attaquer. Vous êtes somme toute très embêtant. Très très embêtant. Allez viens dans l'eau. Viens dans l'eau ouais. Bonne idée. Alors toi mon con. Toi. What? C'est quoi tout ça là? Ok, on prend le pounce, on se casse. Wouhou! Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi? Pourquoi tout le monde m'attaque dans ce jeu? Bon sang de bois. Allez, c'est tranquille. Oh lui! Lui là, vous allez voir. Ah non, mais casse-toi! Mais. Oh, il est trop chiant. Il est trop chiant ce Spino. Vas-y go, on va s'unir contre les Spino. Avec mon pote là-bas là. On peut le faire, on peut tuer un Spino large. Dans l'eau, il y a moins de problèmes de collision, comme vous le voyez. On peut se tourner très bien avec le Sarcosuchus. Regardez les demi-tours que je fais. C'est tout simplement un délire. Et après, on le démonte, hein, tout simplement. Voilà, bon, il fait très mal le Spino quand même. Hein. Je vous le dis, c'est un des plus costauds du jeu. Voilà, il est mort. On n'en parle plus. Voilà, vous le dis, c'est géré. C'est géré. Je crois que c'est 3-4 coups comme ça avec un Spino full chargé, bien dosé. On peut les tuer. Bon là je vous avouerai c'est un peu bloqué parce que tout le monde a envie de tuer les sarcos j'ai l'impression. Tout le monde veut notre peau. Qu'est-ce qu'il veut le Spino là? Comme toi. Il veut quoi le Spino en fait?
Vous voyez les moves qu'on peut faire. Genre là, j'ai esquivé son attaque et je l'ai déchiré sa putain des lettres là. Et voilà, tu repars en victime. Casse-toi, victime. Sors de là. C'est bon, nous. Et à cause de toi, c'est un allosaur qui prend, c'est terrible. Mais il est. Wouah, accélération. On les a tous semés, ces noobs. Voilà pourquoi il est très fort. Je pense que, en vrai, on a quand même pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour. Ah, il y en a un qui me suit. Ok. Ça c'est désagréable. J'ai un HP. Laissez-moi en paix. Moi, je pense qu'il va m'avoir. Il va m'avoir à l'usure. Je vais juste les faire chier pendant longtemps. C'est tout. En fait, j'aimerais bien juste essayer d'emporter quelque chose avec moi. Regardez-les, c'est fou. Barrez-vous. À l'aide. Toi, là, je vais t'emporter avec moi. Merci. Cassez-vous. Vous êtes pas maniable. Vous êtes nul. Blablabla. Et là, pouf. Ils sont à l'autre bout du monde. Eh, merci. Ah là là là. Les spinos, en fait, tu peux trop les rendre fous. Hein. C'est incroyable. Il nage hyper vite, regardez-le. Il est déjà derrière moi. C'est quoi cette histoire, là? Et là, il a compris mon stratagème, donc il y en a un qui reste là-bas. Sauf qu'il a pas compris mon stratagème jusqu'au bout. C'est ça le truc. Je vais me faire tuer par un truc totalement random. Comme ça, il aura pas mon kill. Ouais, moi, je suis un mec comme ça. Non, ce serveur, il m'a rendu un peu aigri, hein, je vous le dis. Voilà, toi, je t'emporte avec moi. Ah, jamais vous ne mourrez. Voilà. Ouais, voilà, faut toujours faire le maximum de dégâts avant de sortir. Je sais pas s'il y en a qui pourraient vous intéresser, en plus de ce que je viens de faire. Moi, c'est mes conseils, en tout cas, pour avoir un jeu sympathique et des dinosaures dynamiques et sympas à jouer et relativement puissants. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, le petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, vous le savez, c'est tout le monde.